Salut à tous, c'est Mister Freeze. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Suikoden 2. Donc ouais, je vous ai mis directement devant le QG, parce qu'on n'avait pas se taper un chemin sur la carte, ce qui allait prendre plus de 5 minutes. Pour rien. Ouais, j'aurais dû rentrer par l'autre côté. C'est pas grave, on visite le château comme ça. Donc c'est un château assez grand, on peut avoir un ascenseur après. Donc, je vais pas vous montrer le château tout de suite, on le verra au fur et à mesure. Mais en gros il y a une pièce comme ça, il y a 3 ou 4 étages il me semble. Puis après il y a 2 gros blocs, un de chaque côté. Et donc la salle de réunion, elle doit être ici normalement. Premier étage. Voilà, donc, tout le monde nous attend. ouais. Comment il fait? Il les met dans sa poche? Donc ça sert à rien d'utiliser trop chaud en fait. C'est n'importe quoi. Parce que de toute façon les chevaux d'avant, faut bien qu'ils le suivent au début. Donc s'il y en a un qui est crevé, les trois sont crevés. Enfin bref. Un peu bizarre ce qui nous raconte. Hein. Voilà la sympathie légendaire de Chou. C'est pas mal. Volontaire, femme, enfant et ancien. Il y a des volontaires enfants. C'est bizarre ça. Voilà, donc ils sont 10 fois plus que nous. Moitié en garnison, ouais. Je suis pas stratège mais je trouve ça bizarre. Voilà, donc la stratégie c'est de retourner les gens de Sao Sundo, donc qui ont été capturés là juste avant. À l'aide de Frid, on va les retourner contre eux. Parce que vu que Frid il est de Sao Sundo, ils vont le croire. Hein.
Donc on va dire ok. Allez, comme vous voyez, hein, c'est pas un stratège de pacotille. C'est assez bien fait. Ouais, dire qu'à la base, on était juste tranquillement dans l'armée, comme ça. Enfin bon, vous allez me dire, dans l'armée, c'est pas fait pour être tranquille. Et puis on tombe chez l'ennemi, qui en fait est gentil, et qu'on se bat contre notre propre peuple. Et maintenant, on est carrément un des chefs de, voilà, de légion, on va dire. Et donc là, on a un petit passage assez sympa. Alors, il me semble que c'est maintenant. Passer par le bar. Non, je me suis trompé, ça quoi. Du coup, faut faire quoi là? Bah ouais, là, ça doit être la bataille. Du coup. Ouais, y a une scène assez importante, mais ouais, je pense que ça va être dans la prochaine vidéo, à moins que celle-là dure un peu longtemps. Alors, je sais pas, soit. Ouais, je pense que je vais faire une petite vidéo là, qui va durer jusqu'à la bataille. Et je vais faire la suite avec le moment. En fait, ils vont avoir un moment du passé bientôt. Je pense que je vais le faire dans la vidéo prochaine plutôt. Donc comme vous le voyez, hein, Fried il est pas là parce qu'il a South Window en train de répondre la rumeur. T'inquiète. Et allez, une petite phase de tactical. C'est parti. Donc eux je les joue pas, hein, ils jouent tout seuls. Donc il y a Gilbert parce qu'il nous avait. On l'avait recruté la dernière fois, donc du coup maintenant il est dans toutes les phases de tactique. Hein. Ah, il me semble qu'en jaune là, les petits soldats jaunes, c'est.
Le soldat, c'est aussi une go. Voilà, donc ça c'est pas mal, ça va bientôt nous servir. Je préfère pas le déplacer vers l'archer parce que j'ai peur qu'il me touche à distance sinon. On voit qu'il joue tout seul, c'est un peu dégâché d'utiliser ça comme ça. Daily, je m'en fais plus que j'avais appelé l'armée comme ça. C'est trop con. Ah, il me semble qu'ils sont pas censés nous voir quand on est dans la forêt en fait. Ah si. Aïe. Pour l'instant, on se fait un petit peu massacrer parce qu'on est en sous-nombre. Alors, à savoir que si une unité crève, le perso meurt pas. Hein. Il meurt pas dans l'histoire ou quoi. Hein. Donc on peut pas perdre des persos là-dedans. On peut juste faire un game over. On n'est pas dans Fire Emblem. Hein. Alors, est-ce que je soigne l'autre? Comment je fais? On va faire ça. Waouh, puissant. Voilà. Et lui, il va attaquer directement. Bon, c'est un peu du suicide, mais c'est pas grave. C'est massacre. Ça c'est excellent. Un peu massacré parce que bon, Slungy il est un peu cheaté hein, sur les phases de tactical malheureusement. Yes, on arrive à bien les affaiblir là, ça devrait le faire. Oh yeah! Énorme, il s'est fait tout seul quoi.
pas, il y a un côté dans ces phases, un côté jouissif. C'est assez bien fait. Alors c'est plutôt simpliste. Hein. Ce que je vais faire... Je vais essayer de fuir un peu. Je suis plus fort en défense qu'en attaque, donc il vaut mieux que je me défende. Et puis comme ça, ça laisse le temps aux autres de venir nous aider. Aïe. Donc en fait quand il y en a juste un qui meurt comme ça, c'est comme si c'était un passé en fait. Voilà, et ils battent en retraite. Vaut mieux, hein, vaut mieux fuir une fois qu'il y a eu la phase où les autres seront tournés contre eux. Et on a clamé comme un roi. Il y a tellement de bordel des gens qu'on n'entend plus la musique. Non, mais la vidéo fera quand même 20 minutes. Hein. Donc, c'est notre première vraie victoire. Hein. Ouais, ça s'est fait bien chier. Mais bon, c'est à cause de Joey. Donc lui, il perd pas la tête, hein. C'est pas parce qu'on a gagné que... une bataille qu'on a gagné la guerre. Voilà, donc là, notre but, c'est d'agrandir l'armée. Trop bizarre qu'il était abandonné quoi. Enfin bon, il y avait Necklord dedans quand même. Qui ça peut être le chef? C'est Pilika. Pilika. Ah non. Vous devez vous demander, mais pourquoi il parle toujours de Gamecock? On n'est pas vraiment son fils, hein, il nous a élevé et recueilli.
Je parle même pas du pouvoir. Voilà. Donc ça, c'est la scène dont je vous parle au début de la vidéo. À propos de Genkaku. Voilà. Ben du coup, je crois que ça va être la nuit. Ouais, c'est ça. Je vais même pas parler, elle se... elle se fait fermer sa gueule toute seule. Voilà, donc soit on peut se coucher. Soit on peut aller à la taverne écouter l'histoire de Genkaku. Bien évidemment, je vais vous la montrer, hein. Il me semble que c'est optionnel, hein. Non, je voulais... Ah oui, la taverne, merde. Le problème, c'est que le point de sauvegarde... Faudrait que je puisse sauvegarder avant. Parce que je compte vous le montrer à la prochaine vidéo. Ah, il est... Voilà. Donc la taverne, elle est en bas, hein. C'est l'espèce de bar là. Ok, bah ce que je fais, je sauvegarde et puis la prochaine fois, on aura l'histoire, de Papy Genkaku, donc qui apparemment est le maître Genkaku. Pendant que le voisin utilise sa perceuse, ça tombe bien que la vidéo s'arrête ici. Donc, bah, je vous dis à la prochaine fois. Pour l'histoire de Genkaku. Salut!